Est-ce que t'es chaud pour un petit bac en dessin? Alors attrape ton meilleur feutre marron et pense à un objet tout de suite maintenant. Je suis très content de voir que j'ai la communauté la plus mature de France, ça fait vraiment plaisir. En vrai, je fais trop le mec alors que j'ai complètement pensé à du caca aussi. Du coup, pour l'objet marron, je me suis dit ça va être forcément quelque chose en bois, c'est certain. C'est alors que je me suis souvenu que j'habitais à Saint-Malo, également appelée la ville des corsaires si tu vois ce que je veux dire. On enchaîne sans transition avec un animal et là j'ai tout de suite un petit quelque chose qui me vient en tête. C'est pourquoi j'en profite pour faire une dédicace au petit Rex qui se reconnaîtra dans cette vidéo. Du coup, vous l'aurez compris, on est sur une saucisse avec des pattes. Cet animal n'a aucun sens, il est beaucoup trop marrant, non? On passe ensuite à la case des fruits et légumes et là encore, j'aimerais bien savoir à quoi vous avez pensé si c'était pas une noix de coco. À chaque fois cette case, j'ai l'impression qu'il y a genre un seul truc possible et vous êtes là en commentaire. Genre bah non, il y avait ça aussi, et ça, et ça. Et moi je suis là genre ah bah oui. Et enfin nous passons à la dernière case qui est celle du personnage. Personnage qui m'a poussé à dessiner autre chose qu'un singe dans la case de l'animal, parce que sinon il y avait deux singes et c'était pas rigolo. Alors que ce singe là, il est légendaire. Et bah écoutez, j'avais peur que ce petit bac marron soit très moyen, et au final c'est un de mes préférés.